محمد الأشهب. Pour le sens politique, je suis sûr et certain que nous avons fait un point de non-retour. Les gens maintenant soient, même chez nous au Maroc, n'a pas de révolution comme la Tunisie et l'Égypte, ça autre chose. Mais au Maroc, il y a cette évolution pacifique parce que le roi, il a compris le message de la mouvement de fin de 20 février au Maroc, deux semaines de protestation. Le roi il a annoncé les grandes lignes de la réforme de la constitution marocaine. Donc pour nous au Maroc, on ne peut pas comparer notre situation politique avec la Tunisie, l'Égypte et la Libye, parce que le Maroc, il a commencé déjà dans les années 90 ce changement politique dans ce processus démocratique, et justement avec ce qu'on appelle au Maroc la gouvernance alternative, avec Abdelrahman Youssefi qui était le chef du gouvernement marocain en 1998. Elle était la première étape pour la révolution marocaine pacifique. Mais sincèrement, au Maroc, je ne suis pas tout à fait pessimiste, mais on peut dire que je suis pessimiste au niveau de l'évolution sociale et économique. Il y a beaucoup de problèmes dans ce côté, mais au niveau au niveau politique, on peut dire que je suis optimiste, puisqu'il y a des changements, il y a des réformes dans le code familial, dans le code pénal, dans la constitution en général. Par exemple, Nelson Mandela. Pour moi, Nelson Mandela, c'est un symbole. Même si au Maroc, nous avons des conflits politiques avec le Sud, l'Afrique du Sud, qui oppose notre intérêt politique au Sud, au Sahara marocain, mais Mandela, c'est autre chose. Pour moi, c'est un homme des principes, c'est un homme des droits, d'égalité. J'aime les gens comme ça. Mandela, c'est un exemple. Au Maroc, Ben Barka, Mahdi Ben Barka, c'est un leader, un chef, c'est un leader politicien dans les années 70. C'est l'un qui a payé le prix pour ses principes politiques.